Collins. Alors aujourd'hui, nouveau test sur le jeu, voilà, nouveau test sur le jeu Formula One 99, sorti aux alentours de l'année 99, édité par Psygnosis. Bon, j'ai pas besoin de vous faire les présentations, vous savez très bien de qui je veux parler. Psygnosis, ils sont connus pour avoir fait de nombreux jeux, et des très bons jeux, je dirais même, à savoir Wipeout, Destruction Derby, encore Lemmings. Et là, on va faire un autre test sur ce jeu. Alors attendez, bon, on a vu le Grand Prix d'Australie, on a vu le Grand Prix du Brésil, Saint-Marin, bon, je sais pas si je veux le tester celui-là. Le Grand Prix de Monaco, bon, on le verra un peu plus tard. Grand Prix d'Espagne, le Canada, on vient de le voir. Ça, c'est le Grand Prix de France. Ah, le Grand Prix de Silverstone. Mais oui, pourquoi pas? Allez, c'est parti. Voilà, attendez. On va se choisir une petite monoplace. Bon, alors, on a vu la Ferrari. Williams, on verra ça plus tard. La Jordan, on l'a vu. Benetton, on verra plus tard. Sauber Red Bull, on l'a vu. Arrows, on l'a vu. Stewart, on l'a vu. Ah bah tiens, Prost, pourquoi pas Allez, pourquoi pas? Allez. Bon. Oui, Prost, avant ça s'appelait Ligier, mais depuis cette écurie a pris le nom de l'ancienne écurie qui s'appelait autrefois Ligier. Et malencontreusement, ils ont fait un petit peu de la merde. Mais bon, c'est pas grave. Donc, c'est parti. Alors attendez, on va déjà attendre le chargement. Oui, attendez, on va passer par voilà, on va pas passer par les phases de qualification parce que ça. Hey, c'est parti donc, mesdames et messieurs. Silverstone, en Angleterre. Bon, pour faire une dédicace à tous mes fans britanniques, qu'ils soient anglais, gallois, écossais, ainsi qu'irlandais. Et j'en profite également pour faire une dédicace à tous les fans de F1 qui me regardent. Et c'est parti! Donc, je suis Olivier Panis, en train de piloter une place de l'écurie Prost GP ou Prost Grand Prix, ça dépend comment on l'appelle. Alors, j'ai pris le circuit de Silverstone parce qu'il a l'air d'être assez bien. Qu'en faut-il qu'il le soit vraiment, même s'il est un petit peu pas évident sur les bords. Oh joli, j'ai réussi à éviter le virage. Très bien. Là, alors attendez, parce que là, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Et même du beau monde, attention, ne percutons pas les autres, s'il vous plaît. Oups, attention. Oui. Attention, là, je suis un petit peu en train de me faire courser par une Minardi. Minardi qu'on verra aussi tout à l'heure. D'ailleurs, je vais vous montrer toutes les écuries qui sont présentes dans ce jeu, et puis après, on va s'arrêter là. Parce que j'estime que j'ai suffisamment fait assez de tests sur ce jeu. Attention, on va tourner. Pour l'instant, je suis 21e. Je peux encore rattraper les autres si possible. Alors attendez, on va passer par là parce que oh, j'ai vraiment pas envie de percuter les autres. Parce qu'il y a du monde. Ok, je voulais éviter, comment dirais-je, le virage ainsi que les autres pour ne heurter personne. Mais bon, ça a pas du tout marché, mais c'est pas grave. Ah, tiens, on va couper par là. Parfait, voilà, et GG. Oups. Mess! Ah zut, je me suis trompé de côté, zut. Ce que tu peux être maladroit. On va tout donner dans ce jeu, on va tout donner, on va tout donner. Et on va tout donner dans ce circuit. Voilà, là ce coup-ci, je vais pas me laisser avoir. Voilà, on est obligé de couper pour éviter le virage parce que j'ai pas envie de l'affronter celui-là.
Voilà, c'est là où on l'a un petit peu merdé tout à l'heure. Alors. Ok. Voilà, on va couper par là et rattraper le temps perdu. Voilà. Comme ça, on pourra éviter le virage en même temps. Allez. C'est bon, on a passé les autres. Voilà, comme ça, il n'y aura pas d'accident. C'est bon, voilà, parfait. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On a rattrapé le retard. On a, on a rattrapé les autres. Oui, excusez-moi si j'ai pas le temps pour éviter les virages. J'ai vraiment pas envie de faire trop n'importe quoi. J'ai pas envie qu'il y ait que ça cause des désagréments. Tout, j'aime pas les virages. Je trouve qu'ils sont traîtres sur les bords. Allez. Voilà, c'est bon, je suis 11e. J'ai rattrapé le retard. Ah, attends, si je me souviens bien. Attention, attention, attention. Ah, mince. Attention, on n'est pas. Attends, 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 on va passer par là parce que oh, j'ai vraiment pas envie de percuter les autres. Je n'ai pas envie de percuter les autres. Voilà, attention, oui. Ok, voilà. Attention, attention, ne percutons pas les autres. Ne percutons pas les autres. Voilà. C'est bon. Voilà, parfait. Voilà. Attention. Voilà, c'est bon, je suis 6e. Là, j'ai passé le deuxième tour autour du troisième. Là, je suis 5e. Très bien. On va essayer de voir si on peut dépasser ces deux Ferrari. Ah, mince, attends, parce que là, j'ai eu des petits problèmes avec les. Oh là là là, mais c'est. Là, c'est vraiment ce qu'on peut appeler, mais un duel au sommet, hein. Que vous voyez en bas, c'est juste les classements des pilotes. D'accord, on a eu des petits problèmes, mais bon, c'est pas grave. On va gérer le coup. On va gérer le coup. On va prendre un raccourci. Ah, c'est vraiment mais un circuit de l'extrême. Je peux pas vous m'en dire. Attention, c'est le troisième et dernier tour. Je peux encore dépasser les autres. Bon, on va passer par là parce que j'ai pas envie d'affronter le virage. Et j'ai envie d'arriver en pole position. Oh là là, je vais tout donner, je vais tout donner. Je vais tout donner dans ce circuit, je vais tout donner. Je vais tout donner. Allez, on va y arriver. Bon, bien sûr, c'est une sorte de petite course amicale. C'est pas une qualification pour un grand prix ou je sais quoi. Oh là là là, oh là là là, oh là là là. Fou, il y a du monde. Il y a du monde, 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 il y a du monde. Ah, ça va être à l'arrache. Ça va être à l'arrache. Ça va être à l'arrache. Oui, reste pas là, mec. S'il te plaît, je voudrais passer. Bon, attends, on va passer par là, parce que j'ai pas envie d'affronter les Ferrari, et encore moins ce virage. Attention, oh la masse, excusez-moi. Ok, il y a deux McLaren, on va essayer de voir si on peut les éviter. Et on va les éviter. Ok. D'accord, j'ai évité un... Un virage, mais le problème c'est que je suis pas encore tout à fait. Ok, c'est la victoire ou la mort!
C'est la victoire ou la mort. Attention, mince. Allez, allez, attention. Olivier Panis, aux prises avec Lynn McLaren, Patrick Wilshere. Oh oui. Oh oui, il a réussi. Il a réussi, mesdames et messieurs. Ouais, ça y est. Oh putain, c'était à l'arrache, la plus totale, hein. Essayez. Oh là là, on peut... Eh ben dis donc, on peut dire que j'en viens de loin. Et celui-là, il revient vraiment de loin. Donc, vainqueur, donc, Olivier Panis sur Prost GP. Bon, d'accord, c'était un petit peu tonitruant, mais bon, au moins, j'ai quand même réussi. Mais c'était à l'arrache la plus totale. Bon, désolé si ma conduite était un petit peu pas très exemplaire. Au moins, j'ai évité certains virages et il n'y a pas eu le moindre accident. Voilà donc, mesdames et messieurs, je propose donc qu'on s'arrête donc ici. C'était donc un autre test sur le One 99 sur PlayStation 1, sorti aux alentours de l'année 99 sur PS1 ou PlayStation 1, ça dépend comment on l'appelle, édité par Psygnosis. Je vais tout circuit, puis après on s'arrêtera là. Hein. Voilà donc, j'espère que ça vous a plu. Si vous comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici à salut et rendez-vous pour de prochains tests ainsi que de prochaines courses ici au circuit de Silverstone en Grande-Bretagne à vous Paris. Oh et puis tant j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau exclusif à...